Et salut à tous, c'est Stolos et encore accompagné de mon ami Stardust. Et aujourd'hui, nous ouvrons un display de Yu-Gi-Oh! Les Secrets de l'Éternité. Donc, par contre, ça fait très longtemps qu'on s'était pas mis à. Qu'on n'avait pas joué à Yu-Gi-Oh! Donc, du coup, on s'était arrêté au dernier booster de Ixyz, je crois, enfin de Yu-Gi-Oh! Zeal ou Zexal. Donc, du coup, tout ce qui est pendulum ou les trucs comme ça, ou pendule, si vous parlez en français. On n'est pas trop au courant de ce qui s'est fait et sorti, on n'a pas vu la série encore, on va attendre qu'il y ait plus d'épisodes pour s'y mettre. Donc du coup, ça va être un peu la surprise au niveau de ce qu'il y a dedans. Donc l'extension est complète et composée de 48 cartes communes, 20 cartes rares, 14 cartes super rares, 10 cartes ultra rares et 8 cartes secrètes rares. Donc comme d'habitude. Donc on a 24 boosters, 9 boosters par pack évidemment, tout à fait. C'est ça. 9 cartes par pack, 24 boosters. Et c'est parti, je te laisse ouvrir mon cher ami. Où la fente? Je ne sais plus, je crois que c'était par ici. Petit problème technique de la préouverture, on ne sait plus où est partie la fente. Elle est là, au final je m'en sors tout seul. Allez vas-y, Ouais. on va comment pouvoir le faire. Bon. On va y aller. Alléluia. Alors là, personnellement, on n'a pas vraiment d'objectif particulier au niveau des cartes, parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'on va avoir. Voilà. On n'a même pas été voir sur. Enfin, on a été voir il y a longtemps sur Ultra Jeu la liste des cartes qu'il y avait dans les boosters, mais c'est pas trop. Pas de pub, s'il te plaît. Allez, c'est parti. Ah, les ciseaux. Voilà. Allez. Allez, go. Alors, nous commençons avec un Naman Potartiste. Donc ça, je crois que c'est l'archétype de Yuya, tout à fait. Le héros de Yu-Gi-Oh! Arc-V, Arc-5. Appel Potartiste, pareil. Infernoïde Atondel, disons, il a l'air vénère. Il a plutôt vénère celui-là. Red Raptor, Pigriège Volatilisé. Rare, second appel de Gotons. Donc ça, c'est pour Sabre X. Parce que Ah c'est oui. bizarre qu'une sabre soit là, mais bon, tant mieux. Zen My Day. Ouais, Zen My Day, donc du coup pour les automates. Golem Go 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 forme or. Ça, je crois que c'est quand le Golem Go 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 il est joué avec une carte magique. Enfin, ça c'est dans l'animé, mais là visiblement ça marche avec un sacrifice. Rechargement accélérateur de flamme. Ça se joue avec l'accélérateur Triflamme, je crois que c'est avec le deck volcanique, si je me souviens bien. Et Robot Bureau 003. Donc, au premier booster, juste une rare, second appel de Gotham. C'est parti. Là, nous avons Terlame Samouraï Supralourd. Donc, ça, c'est le deck de Gonzo. Enfin, je sais plus c'est quoi le nom du gros ami de Yuya. Enfin, je sais que Supralourd, c'est son deck. Infernoïde Piaty. Donc, ça a l'air d'être des espèces de dragons de métal, là. Red Raptor Réactivité. Aigle Pic Potartiste. Bloqueur UA en rare. Super rare. Oh non, j'ai mis les rares là-dessus, c'est pas grave. Alors, Prophète du Vide en super rare. D'après que je l'ai vite fait, c'est pour les Infernoïdes. Attendez, je remets la rare à part. Ah bah non, je l'ai mis là, c'est bon, tout à fait. Oscillation d'écho. Lance divine Dragunité. Unizombie, assez drôle, zombie synthoniseur, zombie qui chante, visiblement. Ensuite, nous avons Tortue Tampon Point Artiste, Pendulum, Cache-Collion de Feu Point Artiste. Je vais mettre Ouais, les pendulums. les pendulums ailleurs. Hop, je vais rapprocher les cartes, comme ça vous pourrez les voir vite fait. Enfin, on va pas prendre grand-chose. Double trappe. Une nouvelle trappe. Lapis Chevalier Gemme, monstre normal pour les Chevaliers Gemmes. Rare Dragon Baguette de Sourcier. Ixyz Red Raptor Faucon Menton, Montant. Explosium, ça Explosium par contre je crois que c'est de Zexal, si je me souviens bien. Ah, Talisman Go Go Go, je crois que c'est celle-là, ou ça se trouve je dis complètement de la merde, mais je crois que c'est celle-là qui permet de transformer le Go 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 en Golem Go 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 forme d'or. Je me trompe sûrement, mais c'est pas grave. Rapengu Avatar Bête Spirituelle. Appel Potartiste. Sentiment de Constellé. Pendulum Partanga ou Partenga Potartiste, je ne sais pas trop. Annulation de dernière minute.
Hop. Red Raptor ni rare. Non possédé. Attaque dame. C'est une vieille carte ça, je crois. Hein? Je sais pas. Attaque dame, ça me dit quelque chose. Golem go go go, forme d'or. Et Zen My Day. Zen My Day, Zen My Day. Non, excusez-moi. C'est une erreur. Alors, sentiment de constellé. Hop. Au final, je vais mettre les rares ici. Voilà. Red Raptor, réactivité. Red Raptor, pigrièche, voilà, volatilisé, oui, c'est ça. Persam, samouraï supralouvre. Oh. Rare, sorcier carte, potartiste, je crois. On va mettre ça. On va mettre les rares. Yosenju, magat, ou maja, je sais pas. Transfert pendule. Non possédé. Et smart. Non, mais non. Smartphone. Morphtronic ou smartphone morphtronic. Ah, pour l'instant, c'est pas terrible. Hein. Je pense. C'est une super rare. Ouais, c'est vrai que c'est pas très la fête. On a ouvert combien là? Une 5 environ 5 ouais, ouais, au moins. C'est dommage. Enfin, non, c'est parce que j'en ai préparé. Bon, voilà. Tortue tampon, pote artiste. Recliation. Je crois que c'est pour le décliforce, hein, tout le jour, ou clipor, je sais pas. Perlame, sumérail, samouraï, super lourd. Embuscade, bête spirituelle. Rare, second appel de Gotham's, Explosium, Chevalier joué, ça c'est Zexal, non possédé, Oscillation d'écho. Embuscade, bête spirituelle, coche collion de feu portable, piston, pendulum. Celui-là, on va l'avoir plein de fois, celui-là, comme nous. Je pense. Red Raptor, réactivité. Infernoïde, Atondel. Ou Atondel, enfin, de toute façon. Ténacité des monarques. En rare. Ah. Chevalier joué. Transfert pendule. Robot bureau 003. Sorcière de dodo. C'est vrai que là, on a ouvert pas mal de boosters et on a eu qu'une seule super. C'est pas vraiment top. Bah, c'est ça, de toute façon, on va avoir un nombre de rares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 boosters et qu'une seule super, c'est vraiment pas top. Ah, mais c'est comme ça. Et on a enfin le chelion. Nivérophile, ou Nivérophile, pardon. Donc ça, sûrement pour jouer sur du 8-6 et sur les niveaux. Aigle Pic, porte artiste. Mur de l'interruption. Ah, enfin, ça commence. Rare, Ténacité des Monarques. Et nous avons une ultra rare Stèle Chevalier constellé diamant. Ultra rare. Ouais, c'est ça, ultra rare. Voilà une belle carte. Alors, il faudra changer, on va la mettre ici. Et on va mettre la super rare. Unizombie. On essaie de m'aider. Et capitaine en marmite. Waouh. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, là, faut quand même que je la lise. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez mélanger une carte depuis votre main dans le deck, puis piocher une carte, puis vous pouvez l'invoquer spécialement si c'est un monstre. Oh, c'est sympathique. Capitaine en arme. Capitaine en maroude. Tout à fait. Infernoïde Piatti. J'ai dit marmite. Ah ouais. Lapis Chevalier Gemme. Ça se plaît. Rare. Dragon de Draconia. Pendulum rare. Ultra rare. Caius le méga monarque. Voilà. C'est ultra. Ultra rare, oui. Ouais, tant mieux. Lance divine, dragunité, smartphone morphtronique. Des surprises là. Gigabit! Pardon, excusez-moi. On va dire gigabyte. Hein. Ça sera bon. Espèglerie des gnomes. Comment comme flexible. Ah, gigabyte. Lapis chevalier gemme, annulation de la dernière minute. Satellite chevalier capella. Illusion de ballon. Illusion de ballon, je crois que c'était une carte action en fait de base. Une carte action dans Arcevine. Moi j'ai pas regardé. Chien plongeur en rare. Oui, j'ai regardé les 10 premiers épisodes en fait. Finalement, les Arcevine, j'ai regardé les 10 premiers épisodes. Donc, je connais à peu près vite fait les archétypes des premiers joueurs, des premiers persos. Spadassin dododo. Il y en a des toiles lui. Ah merde. Hop là. Rampe aiguë, avatar speed spirituel. Rechargement accélérateur de flamme. Explosium. Aman potartiste, cache collion de feu potartiste, Red Raptor qui grillage volatilisé, Perlame samouraï supralourd,
Alors là, Cagna Malebranche des Amis Sardans. Voilà. Extra filet, un terrain. Red Raptor Faucon montant. Chevalier joué. Transfert pendu. Alors, revenez. Transfert pendu. Ouais, Infernomide Piatti, Red Raptor Réactivité, Recréation, Observateur du Front. Ensuite, super rare, Bien et Mal des Abysses Ardents. Et ça fait. On s'en fout, Raptor, c'est une carte magie rituelle. Visiblement. Yosinju Maga ou Maja. Bah, déjà, c'est une super, qu'est-ce qu'elle fait là? Ouais, j'avoue. Et la rare aussi, décidément. J'accumule les conneries. Transfert pendule, oscillation d'écho, Redator, Faucon montant. C'est rigolo, hein. Maju Garzette légendaire. Bah, je pense que ça doit être trois sacrifices et voilà, ça doit être la fusion des trois attaques, peut-être. Hein. C'est ça. Peut-être pas. C'est ça. Sure. Et, hein, ça a l'air. Ensuite, Partenga, Potartiste, annulation de dernière minute, Infernomie de Seit Semas. Cagna Malebranche des Abysses Ardents. Ah, et ensuite ça va là. Et secrète Nef Fusion Marionnette de l'Ombre. Deux secondes. Je vais montrer à nos auditeurs d'ailleurs. Tiens, regarde. Unizombie Gigabyte. Non possédé. Attends, je vais mettre la secrète là et l'ultra ici. Comme ça. Sentiment de constellé. Partenga Potartiste. Mais qu'est-ce qu'il fait là, Infernomide? Mais qu'est-ce que je fais là? Ah, je ne sais plus trier, je fais n'importe quoi. Illusion de ballon. Infernomide de Seistemaris. Farfa Malebranche des Abysses Ardents. Rare. Yosinju Tsujik. Bon, du coup, il y a. C'est là. Talisman, on verra ça après. Ouais. Talisman Go, Attaque d'âme et Yosinju. Yosinju Maga. Une obligatoire ça. On a. Je ne vois pas de quoi tu parles, absolument. nous sommes des gens tout à fait sérieux. Coche-collion du feu de. Je m'en fous. Et moi, on l'a. Illusion de ballon. Lapis Chevalier Gemme, Persam Samouraï, le Supralourd, Infernoïde de Patruella, Robo Bureau 003, Attaque d'âme, Rampeju, Avatar Bête Spirituelle, Talisman Go. Recliation, Aigle Pipote Artiste, Infernoïde de Fondelle, attends, je sais pas si j'ai bien mis, hop. Alors, Lapis Lazuli, Dame Chevalier Gemme, ça va être l'évolution de l'autre précédemment, là, de celle du normal. Super rare, Loup Coup de Tonnerre Céleste. Il est beau. Sympathique, il y a beaucoup d'étoiles, je ne sais pas son effet, on verra ça plus tard. Mais... Hop, Robo Bureau 003, Chevalier Joué, Sorcière de Dodo, Spadassin de Dodo, Appel Potartiste. Oula, ça commence à se casser la gueule de pile là-bas. Névrophile. Non, c'est nivérophile. Parce que nécrophile. J'ai pas dit nécrophile. On n'entend pas ce que j'ai dit. Ouais. J'ai dit névrophile. Ah, pardon. Dans ce cas. Autant pour moi. Persam, super lourd, on s'en fout, on l'a déjà vu. Observateur du front. Oui, c'est ça. Hop. Explosion. Aussi. Oscillation d'écho. On ne triche pas, monsieur. On ne regarde pas les cartes à l'avance. Non possédé. Moi, s'il vous plaît. Moi faire ça. Redator Pigrèche Volante, Infernomie de Seis Thomas, Tortue Tampon Potartiste, Redator Réactivité, Surcharge Coachimeru, ça existe encore ça, Robot Bureau 003, Zen My Day, Yosinju Tsujik, Gigabyte, hop, Mur de l'Interruption, Infernoïde de Systemas, Aman Potartiste, Nivérophile, Meneur de jeu UA,
Smartphone Morphotronic, Yosin Jutsujik, Redraptor Faucon Montant, Rechargement Accélérateur de Flamme. Partenga Bot Artiste, Satel Chevalier Capella, Infernoïde Attendelle, Rare Sorcier Carte Bot Artiste, Super Rare Seigneur Paratonnerre. Ça c'est là, Chevalier Joué, Lance Divine, Drague Unité, Sorcière de Dodo, Transfert Pendule. Hop. Rêve de Torpigrèche Volatilisé, Sentiment de Constellé, Perlame Samouraï Supralourd, Tortue Tampon Pot Artiste, Red Raptor Ni, Espèglerie des Gnomes, Gigabyte, Yosin Jutsujik, Smartphone Morphotronic, oulala, attention, c'est bon, ça passe, il nous reste 3 boosters, Partenga Pot Artiste, Infernoïde Attendelle, Mur de l'Interruption, Nizérophile, Red Raptor Ni en rare, Seigneur Paratonnerre en super rare, le retour. Spadassin, de dodo. C'est chiant d'avoir deux flammes super. C'est triste, mais c'est la vie. Redraptor Faucon Montant, Smartphone Morphtronic. Oula. Reste là. Et il nous reste deux boosters. Deux. Nivérophile, donc il est là. Infernoïde de Piatti. Mur de l'Interruption. Embuscade bête spirituelle, rare tactique de rotation UA, hop, golem go former, c'est triste, hein. Oscillation d'écho, Yosin Jumaga et explosion. Non, parce qu'en fait je cache la carte qui apparaît après la carte rare pour ne, comme mon ami Stardust ne voyait pas à l'avance ce qu'il va avoir. Illusion de ballon, Persam Samouraï Supralo, donc là c'est le dernier booster, Aigle Pic Pot Artiste, Satel Chevalier Capella, Expansion du Vide, je n'ai aucune idée, ça a l'air d'être. Voilà. Que dalle. Spadassin de Dodo, que dalle. Sorcière de Dodo, et Rampenju Avatar Bête Spirituel avec un Nuni Zombie. C'est pas terrible tout ça, hein. Alors, la récapitulation de ce que nous avons. En rare, nous avons... Nous avons 24. On en a 24, évidemment. Expansion du Vide, Tactique de Rotation UA, Redraptor Ni encore, Sorcière 4 Pot Artiste, Meneur de Jeu UA, Surcharge Koa Kimeru, Observateur du Front, La Pilazoli, Dame Chevalier Gemme, Infernoïde Patrouilla, Farfa Malbranche des Abysses Ardents, Machin des Abysses Ardents, Observateur du Front, encore Malbranche des Abysses Ardents, Chien Plongeur, Dragon de Daraconia, Ténacité des Monarques deux fois, Second Appel de Gotham, on a deux fois aussi, Sorcière 4 Tartiste, Redraptor Ni, Dragon Baillet du Sourcier, Bloqueur UA et Second Appel de Gotham. En super rare, nous avons Seigneur Paratonnerre, enfin deux Seigneurs Paratonnerre, donc il fait durant la main phase 1, aucun joueur ne peut activer de carte magie. Loucou de Tonnerre Céleste, 6-4 c'est invoqué spécialement depuis le cimetière, vous pouvez détruire tous les monstres face recto contrôlés par votre adversaire. Vous ne pouvez pas mener votre battle phase le tour où vous êtes activé cet effet. C'est dommage, sinon ça aurait été un peu trop beau. Bien et mal des Abysses Ardents. Alors là, bon, on va la lire vite fait quand même. Cette carte est utilisée pour invoquer rituellement Malakoda, seigneur des enfers et des abysses ardents. Vous devez aussi sacrifier des monstres depuis votre 1, égal à 6. Durant votre main phase, sauf le tour où cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière et envoyer un monstre abyss ardent depuis votre main au cimetière. Ajoutez une carte abyss ardent depuis votre deck à votre main, vous ne pouvez utiliser cet effet de bien et mal des abyss ardents qu'une fois par tour. Bon, de toute façon, c'est du rituel abyss ardent. Prophète du Vide, donc c'est pour les infernoïdes. Ciblez un monstre infernoïde que vous contrôlez ce tour, la cible n'est pas affectée par les effets de carte de votre adversaire. Si un ou plusieurs monstres infernoïdes que vous contrôlez vont être détruits par un effet de carte,
Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière au lieu de détruire un de ces monstres. Ouais. Ensuite, les deux ultra rares. Caius le méga monarque. Donc, monsieur, il va tout casser, mais qu'est-ce qu'il fait? Vous pouvez invoquer par sacrifice cette carte en sacrifiant un monstre invoqué par sacrifice, à but de faire deux sacrifices. Si cette carte est invoquée par sacrifice, ciblez une carte sur le terrain, bannissez-la, et si vous le faites, infligez 1000 points de dégâts à votre adversaire. Puis si c'est une carte monstre ténèbre, bannissez toutes les cartes de ce nom depuis la main, main deck, extra deck et cimetière du joueur la contrôler. Par contre, si cette carte a été invoquée par sacrifice en sacrifiant un monstre ténèbre, ajoutez cet effet supplémentaire, vous pouvez cibler deux cartes à la place au lieu d'une seule à détruire, enfin à bannir. Ouais, c'est logique, c'est super. Stèle chevalier constellé diamant. Alors, que fait monsieur? Minimum 3 monstres lumière de niveau 5. Durant votre main phase 2, vous pouvez aussi invoquer par X6 cette carte en utilisant un monstre X6 tel chevalier que vous contrôlez. Monsieur diamant exclu. Comme matériel X6. Tant que cette carte a du matériel X6, aucun joueur ne peut envoyer de carte depuis le deck au cimetière. Et toutes les cartes qui sont envoyées depuis le cimetière à la main sont bannies à la place. Durant le tour de chaque joueur, lorsqu'un monstre ténèbre de votre adversaire active son effet, vous pouvez détacher un matériel X6 de cette carte, annuler l'activation, et si vous le faites, détruisez-le. Et ensuite, Madame Secret Rare, qui est une... C'est quoi ça? Une carte magie... Équipement, c'est ça. Activez cette carte en déclarant un attribut, équipable uniquement à un monstre marionnette de l'ombre. Et il devient de cet attribut. Durant votre main phase, vous pouvez invoquer par fusion un monstre de fusion marionnette de l'ombre depuis votre extra deck en utilisant un des monstres, le monstre équipé inclus, depuis votre main ou votre terrain comme matériel de fusion. Vous pouvez utiliser cet effet que de nef fusion marionnette de l'ombre qu'une fois par tour. En clair, c'est une espèce de polymérisation marionnette de l'ombre, si j'ai compris, sauf que ça marche comme une carte équipement, quoi. C'est un peu étrange. Ouais, mais voilà. Donc, vu qu'on ne sait pas trop ce qu'on va garder et ce qu'on ne va pas garder, ce qu'on va faire, c'est que vous ferez vos propositions dans les commentaires ou en mail. On mettra dans la description de la vidéo ou je ne sais pas comment on se débrouillera, mais on verra ce qu'on garde et ce qu'on échangera. De toute façon, c'est sûr, les communes ou les rares qui sont supérieures à 3 ou à 2 seront à l'échange. Pour ce qui est des raretés, après on ne sait pas ce qui va être échangeable. La secrète rare, on pense que ça va être échangé. Donc là, je pense garder parce que ça peut être intéressant. La secrète rare est à l'échange. Constellé diamant est à l'échange. Non. Là tu me l'as mis là. Non bah pardon. Bon alors Constellé diamant n'est pas à l'échange. La secrète rare est toujours à l'échange. Et le reste on verra en fait. On vous préviendra. Donc ce après, fut... toutes les rares sont échangées. Les rares, après c'est pareil, logiquement on verra ce qu'on fait. Donc c'était l'ouverture des Metal Boosters des secrets de l'éternité. Bilan mon cher. Bah moyen. Moyen, parce que dans les premiers boosters on a vraiment rien vu arriver, on a vraiment attendu la fin pour avoir du super. En fait on a eu deux ultra rares au lieu d'avoir une ultra rare ou une ultimate. C'est ça, après. On a eu on a eu une seule. Eh bien, ça sera tout pour cette vidéo. Nous espérons que vous avez aimé cette vidéo. Et nous nous retrouvons prochainement pour de prochaines vidéos sur Yu-Gi-Oh! Ou autres. À la prochaine. Salut!